What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Far Cry 3. Et ouais, ça va être du lourd, regardez-moi ça. Et donc normalement oui, je devais faire le jeu Hoax. Donc je me suis dit finalement en fait que je vais, on va dire changer de jeu, on va dire comme ça. Pas faire que un jeu aussi pour pas que ce soit trop ennuyant, faire plusieurs jeux à la fois. Le mode histoire, tout ça, ou le mode multijoueur, ça peut être drôle. C'est en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc là voilà, alors on est sur le jeu Far Cry 3, mon dieu, t'es avec toi-même, tu sais, j'ai jamais joué à ce jeu, je vous ai jamais proposé de mode histoire, et donc bah ouais, ça me fait plaisir. Je vous ai montré donc en faisant des breaking news, tout ça, quand je jouais, etc. D'ailleurs, je jouais avec une manette, pourtant je suis sur PC. C'est vrai que bon, avec la souris, il y a certains jeux, c'est un peu... Wouh, c'est pas top top, et donc au passage, merci... Attendez, vas-y, je te... Oh là là, le pauvre. Les gens... Oh putain, qu'est-ce qui se passe, les gens. Oh, il est où? Oh, il y en a... Oh, un lion. Un tigre. Oh. Non, dis-moi pas. On va le tuer, là. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Oh, d'où... tu touches pas mes brebis, là. Je sais même pas... C'est pas des brebis, mais... Eh, vas-y. Ah, bon, ouais. En gros, un énorme merci de votre soutien, etc., etc. Je crois que je vais chasser par mon... Allez, aïe. Un énorme merci, tout ça. Ça m'a fait plaisir, quand même. Il y a eu quand même pas mal de personnes qui regardaient. En tout cas, au moins 1000 personnes, puisqu'elle a fait au moins 1000 vues. Bon, écoute, on va le chasser comme toi-même, comme Tarzan, quoi. Je vais me faire tuer, ça, on le sait déjà. Et t'es où? C'est quoi, j'ai un... On va employer des grands mots, attendez, parce qu'au pire des cas, je saute. Donc, comme je disais, il y a eu combien au moins 1000 personnes qui ont regardé. Non, toi-même, tu sais. Non. Ouf, les gens, je sais pas comment j'ai fait pour arriver à survivre à ça. J'ai cru vraiment que j'allais me prendre le sol et donc que j'allais me mourir. Alors, ouh, il y a un bateau. Ouh là là, il y a un bateau. Donc, en gros, je pense qu'on va essayer de faire le mode histoire. Mais bon, j'aime bien aussi ce genre de jeu. C'est un peu comme GTA. C'est-à-dire, vous êtes libre, etc., etc. Par contre, c'est vrai, la manette, j'ai un peu du mal. Des fois, je fais des choses bizarres, pas normales. Regardez, comme là, par exemple. Prends le bateau. On va voir des requins, tenez. Donc, un énorme merci. Ça fait plaisir aussi d'avoir vu au moins 1000 personnes qui... Je me suis posé la question, en fait. Ces 1000 personnes, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Et puis je me suis dit, tiens, pour un jeu d'avion, parce que moi j'adore ce genre de jeu, et bon, il y en a qui m'ont dit, ouais, faut du GTA 4, etc., etc. Ouais, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein, je vais pas faire que du GTA aussi sur mes vidéos, hein, ça va pas être tout foufou. D'ailleurs, au passage, dites-moi si vous préférez comme ça la lumière, ou comme ça. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est Daisy. C'est Daisy. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça va? Je me rapproche. Et toi, vous allez là ou pas? Ouais. Des ennemis! Ben, ils m'ont pas vu. Ah, c'est des trimbales. Ils font quoi, c'est... Oh, il y en a un là. Okay. Je te retrouve plus tard. On le prend en photo. Ok, d'accord. Bon, ils m'ont pas vu, hein, donc c'est pas très très grave. On va essayer, on va les contourner et puis on va se les faire à l'arc. Ça, c'est ma mission du jour. Ma petite mission. De toute façon, en plus, c'est ça à peu près, hein, ce jeu-là. Il faut faire ça, quoi. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu un mode libre, hein. Il n'y a pas réellement de mission. Enfin, s'il y en a, mais bon. Ça aussi, c'est une mission, quoi. Faut les tuer, quoi. Faut les tuer. Oh, merde. J'ai pas vu ça. Oula. Où suis-je? Where am I? Oh, putain. J'ai cru qu'il était vivant. T'es mort, Alfred. Ah, c'est Alfred. Oh, il y a mon petit chaton qui... Oh, wow. Pourquoi tu sautes? Ça, c'est la manette qui déconne. Oh, il y a Alfred, déjà. Oh, ça me fait pitié. Non. Excuse-moi, c'est un Alfred qui regarde la vidéo. Non, c'est pas vous. Bon, c'est pas grave, allez. Vas-y, casse-toi, vas-y, bouge. Oh là là. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Vous savez, je connais pas du tout les animaux, je suis très nul. Oh, des pigeons. Non, c'est pas des pigeons, c'est des trucs là avec qui ouvre. Non. Oh putain, je suis une trimballe. Je sais pas. Attendez, parce que. Où? Ah, ok, d'accord. D'accord. Bon, on va se les faire, ne vous inquiétez pas. Il y en a aussi. Ouh là là. Ça me dit quelque chose en plus, ce campement. Je crois que j'ai dû déjà l'attaquer. Ou quelque chose qui ressemble vachement à ce campement là, où il y a deux côtés. Donc, ouais, là ça risque d'être assez compliqué. Alors, lui, je sais pas si je vais me le faire. Je vais monter un peu plus pour voir où sont localisés. La localisation des ennemis plutôt. Donc, finalement, ça a l'air très intéressant. Les gens, tout ça. Ouais. Ok. On va se le faire à l'arc.
on prend un peu d'argent et puis on part. Non, on va quand même tuer des gens, ne vous inquiétez pas. C'est le voilà, on scanne tout ça, la mode James Bond. Toi-même, tu sais. Alors, il y en a un là, donc là, l'autre côté, il s'en fout. Lui, on va le tuer tranquillement. Lui aussi, on va le tuer tranquillement. Là-bas, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, ça va être... Lui, il va falloir le tuer tout de suite sur la tour après. Là-bas, on ira après en passant par derrière. J'ai tout vu. J'analyse tout. Oh. Attention. 1, 2, 3. Oh, putain, j'avais tiré. Il bouge un peu trop. Oh non, il est mort. Oh zut, alors merde, alors qu'est-ce que... Vas-y, il n'y a pas moyen de te dépouiller là. Bon, tu m'as rendu mon arc, c'est pas grave, c'est ce qui est le plus important. Au pire, si ça part vraiment en caca, je prends la K-47 et puis bam bam, toi-même tu sais, je tire sur tout le monde, comme ça je suis vraiment un fou. Je vous dis ça, je vous dis tout de suite, moi, on m'énerve, je tire, voilà, je... Oh putain, il y en a deux. Ouh là là, mais là ça... Ouh là 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 là, ça commence à devenir compliqué ça, j'avais pas prévu ça. Au pire, je me fais les deux. Non? Allez, on va le faire la mode James Bond. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a lui. Ok. Ok, on se cache. Vous voyez comment je suis fort? Je me cache derrière le truc pour pas qu'il me voit et pour... Oh, de quoi il parle? On va lancer un caillou là-bas. Hey, il y a un caillou! Toi, barre là-bas. Casse-toi de là. Et pars. Non, mais juste celui de gauche, tu pars et toi, tu vas là-bas. Regardez. Regardez là-bas. Hey, qui est là? Oh, les gens, ça commence à se compliquer, ça va partir en... Trouvez-moi un tir pour tout ce bordel. Hey. Oh, oh, je t'ai tué. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu, je vous ai tué. J'ai tué quelqu'un, les gens! Oh mon dieu! Voilà, donc bon, c'est parti, on va dire un peu en cacahuète. Alors, j'ai pas envie aussi de m'éterniser en mode James Bond parce que bon, hein, on n'est pas en temps réel, on est dans un jeu vidéo, on tue les gens très rapidement, le plus rapidement possible, et puis on se les fait! Voilà, donc là, il y a encore des ennemis, les gens, c'est parti pour le wow wow wow! On n'a pas terminé tout ça. Alors, oh putain, oh là là, je l'avais pas scanné, lui. Oh, ah oui, je m'en rappelle, là, il y a le gars sur la tour, là, non? Attendez, il est sur la tour. Oh putain, il va me voir, lui. Ça va falloir que je me le fasse. C'est parti, on va monter. En plus, il y a mon bateau. Non, mais les gens, c'est des trous du cul. Ils habitent où, là, quand même? Tu vois pas ça, là? En plus, j'étais dessus, donc je voyais un homme debout avec une sorte d'appareil photo gigantesque. Non, c'est un petit truc, ça. Non, c'est un petit truc. Hein. Bref. En tout cas, voilà. Ok. On va aller par où? On va passer par là. Très intéressant. Attendez, puisque ça se trouve, il y a une patrouille, je crois que ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment une patrouille qui va patrouiller. Alors attendez, on va aller, hop. Ah, c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit. Vous imaginez s'il y a encore deux... Il y a un serpent! Un serpent! Non, un sanglier. On sait pas. On saura jamais. Bon écoutez, moi je veux juste me le tuer, d'accord, hein. J'ai pas envie de passer des années là. Oh, il y a une corde pour... Pour aller dessus. Ok les gens. Je vous jure, il y a des bruits étranges ici. On va pas rester des années. Hein. Un serpent. Ça doit être une cage, non? Bon, on va le tuer. Non. S'il vous plaît. Tuez-moi pas. Déjà, t'es sûr. Excusez-moi, j'ai crié comme une fille. Oh, attendez. Elle est où la trimballe? Hop, oh, j'ai mis le son à fort. J'ai crié comme une fille, je suis désolé. Je vous jure, je fais pas ça dans la vraie vie. Je crie pas comme ça. Là, j'ai eu peur. Là, les gens, ils vont se demander. Ma mère, et en plus, elle est là, ma mère, elle va se demander. Oh, what are you doing, Christo? Parce que, bien sûr, elle est anglaise, parce que je suis bilingue, et donc elle va parler en anglais. Enfin, what are you doing, Christo? Yeah, what are you doing? Ah, a snake! Un serpent! Tu es quoi, toi? T'es sûr de toi? Je peux pas tuer, putain, je me sens mal. Ah, mais il faut que je fasse comment? Non. Ah! Ah! Mes arcs! Mes flèches! Oh non, t'es sérieux? J'ai perdu mes flèches! Ah non, c'est bon. Hein? Mais t'es sûr qu'il y a un serpent, hein? T'as un souci? Oh, ils volent, les gens. Ils volent!
Il plane. Donc voilà, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo-là, parce que ouais, c'est la fin, en fait, j'ai en faire, je pense, là j'ai réfléchi, parce que ça prend en fait pas mal de temps pour tuer tout le monde. Donc je vais faire une autre vidéo durant la semaine avec la suite, c'est-à-dire comment ça va se dérouler finalement, l'épisode numéro 2. Certainement j'aurai le même t-shirt parce que je le fais tout de suite, donc voilà, ne me critiquez pas s'il vous plaît si j'ai le même t-shirt, parce que ça fait vraiment mal au cœur, parce que non, je ne porte pas les mêmes habits tous les jours. Merci encore pour tous les gens de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait plaisir de votre soutien, etc., etc. Et puis je vous dis à la prochaine, je sais pas comment je vais me les faire, et puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out!